Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait plusieurs mois que j'attends ça, mais aujourd'hui je vous sors enfin une vidéo sur Bump Super Brawl. C'est un nouveau jeu gratuit mobile qui a été développé par Ubisoft. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ça fait plusieurs mois que j'attends ça? Tout simplement parce que Ubisoft m'avait contacté l'été dernier avec d'autres créateurs pour me parler un petit peu de ce nouveau jeu qu'ils allaient sortir. Ils m'ont prêté une version bêta que j'ai pu tester, j'ai pu faire des retours, etc. On a été invité avec d'autres créateurs et notamment Hashtags à visiter les locaux d'Ubisoft à Paris. Franchement, c'était trop cool. On a pu rencontrer l'équipe qui a créé le jeu. On a pu avoir pas mal de discussions avec eux sur ce qu'on attendait du jeu, ce que eux voyaient, etc. Franchement, c'était hyper intéressant. Et pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que à partir d'aujourd'hui, le jeu va être disponible en France. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Alors, c'est pas la sortie officielle mondiale, mais par contre, en France, il est déjà disponible et vous pouvez le télécharger avec le lien qui se trouve en description de la vidéo, bien entendu. Alors, Ubisoft, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'un des plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo, hein. Ils ont des licences énormes, notamment, par exemple, Assassin's Creed, Les Lapins Crétins, Rainbow Six. Franchement, il y a une tonne de bons jeux, mais là, c'est une nouvelle licence qui sort. Bump Super Brawl, c'est vraiment une nouvelle licence, un nouvel univers complètement coloré, complètement délirant et complètement explosif. Bienvenue dans la cité d'Arcadia où les différents dieux et les personnages mythologiques de toutes les cultures du monde se retrouvent pour se taper sur la gueule joyeusement. On a notamment des héros issus de la mythologie grecque, par exemple ici vous voyez Minotaure qui est issu de la légende du Minotaure bien entendu. Celui-ci va charger sur vos adversaires pour faire un maximum de dégâts. On a également Petra. Petra, elle est issue du mythe de la Gorgone, bien entendu, cette déesse avec des serpents sur la tête à la place des cheveux qui va permettre de pétrifier vos adversaires. Bah écoutez, dans le jeu, elle va faire exactement la même chose. Il y a également des héros qui viennent d'autres cultures, bien entendu. Ici, c'est Izzy, la petite sœur d'Isis, la déesse égyptienne. Ici, c'est Arjay, qui est un archer surpuissant issu de la culture indienne. Alors forcément, chaque héros aura ses propres stats, ses propres capacités, ses propres effets. Ça rend chaque héros unique et ça va forcément influer sur votre stratégie quand vous allez devoir créer votre équipe. Alors comment ça va se passer? Avant de lancer le match, vous allez devoir faire votre équipe. Donc c'est une équipe de 6 héros, mais il va y en avoir toujours que 3 sur le terrain. En gros, là par exemple, j'ai mon Blinks, Ash et Arik qui vont être sur le terrain en position haute, centre et bas. Et finalement, s'il y en a un qui meurt, bah écoutez, son remplaçant va rentrer à sa place. Et si le remplaçant meurt, bah écoutez, le premier revient à sa place d'origine, etc. Donc là, vous voyez, on a une équipe, on a nos six héros qui sont sélectionnés. On va pouvoir sélectionner ici le mode de jeu. Là, on va partir sur du brawl. En gros, c'est quoi le mode brawl? C'est tout simplement, faut faire des kills. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est facile. Et après, on lance du combat. Là, on va chercher un adversaire. Et en gros, comment ça va se passer? On va avoir nos trois héros qui sont sur le terrain. À chaque tour, on va devoir choisir quel héros on déplace et dans quel sens il va attaquer. On a le droit de déplacer qu'un héros à chaque fois. On n'a pas le droit de déplacer le héros qu'on avait déplacé au tour d'avant. Et le but, ça va être finalement de défoncer les adversaires. Regardez, pour réussir à gagner, on doit faire 3 kills. Donc là, je vais choisir de déplacer hop là, celui-ci en premier. Alors, oh, le pauvre, il va se faire défoncer parce qu'il a des héros. Donc vous voyez, je peux déplacer mon héros. Et puis après, je peux déplacer l'attaque pour choisir le sens de l'attaque. Mais en fait, je choisis mon déplacement et le sens de mon attaque en même temps que l'adversaire choisit son déplacement. Donc potentiellement, en fait, quand on va faire claquer, voilà, hop là, vous voyez, moi j'ai essayé d'attaquer le héros adverse, mais en fait, le héros adverse, il s'est barré dans l'autre sens. Et donc, du coup, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On va envoyer... Ouais, j'ai pas beaucoup de portée avec E2. Vas-y, je vais essayer d'approcher mon Arik, là. Je vais essayer de l'approcher. Hop là, vas-y, on va courir après. Allez, viens par là, mon ami, viens par là. Là, je vais me faire tirer dessus. Ouais, son archer, il me tire dessus. Oh, il a une stratégie. Il a une stratégie très, très passive. On va essayer de passer dans le dos, là. Regardez-moi ça. Hop là. On passe dans le dos, potentiellement, avec une attaque dans ce sens-là. Et potentiellement, on peut mettre KO son truc directement. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ok, on a esquivé. On a esquivé son petit tireur. Ok, on va... Bim ! Faire le premier kill, ça, c'est pas mal. Par contre, en fait, son archer, là, Arjay, en fait, il a une capacité qui fait à chaque fois que je tue un adversaire, bah finalement, lui, il va essayer de se venger sur le mec qui vient de tirer, de tuer son pote. Donc du coup, là, vous voyez, il a tiré sur mon phénix. Mon phénix, en fait, quand il meurt la première fois, il va réapparaître. C'est assez sympathique. Là, mon petit Arik, regardez, il se déplace. Il va laisser une petite traînée de feu qui devrait foutre le feu et brûler notre adversaire. Ça va être notre deuxième KO. Il faut qu'on fasse
3 KO pour réussir à remporter la game. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, après, là, faut avouer l'adversaire, il a pas des troupes d'un très très haut niveau, donc ça risque d'être compliqué pour lui. Et je pense qu'on va aller le finir. Alors, attendez. Là, vous voyez, il a une de ses troupes qui a apparu. C'est le remplaçant du mec que je viens juste de tuer. Et celui-ci lui a tiré dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, écoutez, lui, sa capacité, c'est quand il y a un mec qui arrive, il essaye de lui tirer dessus pour le buter. Bah, écoutez, on va juste essayer de le finir ici. Peut-être qu'il va réussir à s'échapper, je sais pas. Je suis pas sûr. On va voir ça. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à faire le troisième kill? Hop, là, il est en train de sélectionner un petit peu ses coups. Donc, vous voyez, il a un certain temps. Ok, il a réussi à s'échapper. Par contre, il a pris des dégâts de brûlure parce qu'il y a du feu au sol. Donc il va reprendre quelques petits dégâts. Là, vous voyez, il a repris 47 points de dégâts. Il a plus que 24 points de vie. Et je pense que, bah, pff, écoutez, on va juste foncer comme un gros bœuf dedans, non? Donc, allez, hop, on va foncer comme un gros bœuf dedans et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que normalement, on devrait finir là-dessus. Sauf s'il nous fait une dinguerie. Ah, peut-être qu'il va bouger son joueur d'en bas et qu'il va bloquer le passage de mon phénix. C'est possible. C'est possible, on va voir ça. Il a encore quelques secondes pour réfléchir. En tout cas, franchement, c'est assez sympa. C'est vraiment assez sympa parce qu'en plus, du coup, vous devez essayer d'anticiper un petit peu ce que va faire l'adversaire. Là, vous voyez, il a déplacé son mec en bas, mais finalement, mon phénix a réussi à lui faire assez de dégâts pour gagner. Là, hop là, les mecs qui sont morts sont remplacés et bah, finalement, le match se termine ici. J'ai fait 3 kills, il a fait 1 kill. Donc, du coup, bah écoutez, j'ai la victoire. Donc, vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est bizarre, il se passe beaucoup de trucs à l'écran, mais c'est normal en fait, parce que chaque champion a une capacité, je vais vous montrer tout de suite, pour que ça soit un tout petit peu plus clair. Hop là, par exemple, mon H, hop là, non, ça c'est mon Blinks, pardon, mon H, sa capacité, elle est là, c'est à son premier KO, donc la première fois qu'il va mourir, il revient à la vie avec 50% de ses points de vie et inflige 74 points de dégâts de brûlure aux adversaires à proximité. Donc ça, typiquement, si les adversaires essayent de me le tuer, bah en fait, ils vont pas prendre le premier point du KO parce qu'il va ressusciter. Mais par contre, s'il le retue une deuxième fois, à ce moment-là, il récupère un point de KO. Donc c'est un héros qui est vraiment très très intéressant à jouer dans un mode où il faut faire des kills parce qu'il résiste quand même assez longtemps. Si vous voyez des trucs un petit peu explosés partout, regardez par exemple ici, mon Blinks, c'est celui-ci, sa capacité, elle fait quoi? Quand un rival apparaît, donc en gros, quand je tue un adversaire, il y a son remplaçant qui arrive. Et bien écoutez, quand le remplaçant arrive, Blinks tire sur lui un rayon de laser de 9 mètres de long qui inflige 240 points de dégâts. Alors des fois, le mec il va apparaître loin et je vais pas le toucher, mais des fois, je vais quand même pouvoir le toucher. Et on va changer de mode. On va juste changer de mode, par exemple, chasse au VIP. En gros, sur la chasse au VIP, votre VIP, c'est celui du centre. Voilà. Donc là, par exemple, on a H en VIP. J'ai mon Minotaur sur le côté, j'ai l'île Reaper de l'autre côté, et puis on va se faire une deuxième petite game comme ça. Allez, on a trouvé un adversaire. Oh, c'est bien. En plus, il a des troupes de niveau 5 et 6. Donc, c'est OK. C'est OK. Le match devrait être un petit peu équilibré. Ça fait plaisir. Alors, vous voyez, moi, mon VIP, il a 1200 points de vie. Le sien, il a 784 points de vie. OK. Est-ce qu'on n'enverrait pas directement mon petit Minotaur directement, mettre un petit peu de pression? Vas-y, je pense qu'on va faire ça. Vas-y, on va faire ça. Let's go. Vas-y. Charge, petit Minotaur, charge. Ok. Est-ce qu'on peut faire des dégâts quand même? Oui, bien vu. On a réussi à défoncer un petit peu sa Petra. Ça nous arrange. Ok, donc là, il va y avoir un tourbillon qui va apparaître et qui va infliger quelques petits dégâts sur la Petra. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre là et on va essayer de le finir, le mec, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le finir, remarque? On n'a peut-être pas besoin de le finir. On va peut-être essayer de s'approcher là et on va tirer dans ce sens-là. On sait jamais si celui d'en bas se déplace. On va peut-être pouvoir lui faire des dégâts. En fait, vu que... Oh là 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 là, regardez. Oh, regardez. Oh, j'ai tellement bien prévu. Hop là, le petit boomerang. Aller-retour, des dégâts sur l'adversaire. Oh, il a pris cher. Et en fait, là, par exemple, la faucheuse, c'est mon petit bonhomme en bas. En gros, quand il y a un adversaire qui a plus beaucoup de points de vie, zip, il essaye de le finir avec un tir. Et du coup, ça, c'est pour ça qu'on a envoyé un tir et on a essayé de le finir. Là, je pense qu'on va s'approcher. On va essayer de s'approcher de son VIP. Hop là. On va essayer de lui faire des dégâts. Là, on peut pas encore toucher son VIP parce que son VIP est très très loin. Mais on va essayer de s'en approcher au fur et à mesure. Ok, il nous envoie sa Petra pour mettre la pression sur notre VIP. Mais notre VIP a vraiment beaucoup beaucoup de points de vie, donc c'est ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rentrer des petits dégâts sur son tireur. Alors, attends, sur son VIP. Alors, attendez, est-ce qu'on peut pas lui faire un tir en aller-retour, là? Parce qu'en fait, le boomerang, il fait aller plus retour.
Et en fait, des fois, suivant la position que vous tirez, ça va faire double dégâts. Là, vous voyez, ça fait 328. Alors que si je l'avais mis un tout petit peu différemment, il n'y aurait pas eu les dégâts d'aller plus du retour. Bim, bim, 164, 164. Et donc, du coup, là, on lui a fait très, très mal. On lui a fait très, très mal. Voilà, je pense qu'on va juste le charger tranquillement. On va essayer de le finir. Et s'il ne le bouge pas... Alors, normalement, vous pouvez le bouger, votre VIP. Hein. Là, s'il ne le bouge pas, c'est une très grave erreur. Hein. Ouais, non, non, non. Non, non, il fallait le bouger. Alors, moi, je ne l'ai pas bougé parce qu'il a encore beaucoup de points de vie, mon VIP. Donc, c'est OK, tu vois. Mais lui, il n'a pas bougé le sien alors que son VIP, il était dans la merde. Ah non, c'est trop compliqué, ça. Il faut il faut le déplacer. C'est le seul mec que tu dois pas perdre. Bah, écoutez, je pense qu'on a gagné. On a gagné. Et bah, voilà. Mais franchement, non, franchement, c'est assez sympa parce que le but, ça va être d'essayer de rentrer dans la tête de l'autre pour se dire, OK, tes troupes, tes héros, ils sont comme ça, ils sont positionnés comme ça. Le héros que tu viens de jouer, bah, tu vas pas pouvoir le bouger, donc il te reste que les deux héros de suivant à bouger. Comment tu vas les déplacer? Où est-ce que je vais mettre mon attaque pour toucher le mec que tu vas déplacer quand même? Franchement, c'est sympa. C'est vraiment très, très sympa. Alors, on va tester un troisième mode, c'est le capture de zone. Bon, peut-être que là, si vous regardez la vidéo, vous vous dites « Waouh, il y a trop de trucs et tout », n'hésitez pas à télécharger le jeu, à tester, à essayer de regarder un petit peu les personnages pour mieux comprendre. Vous inquiétez pas, je vais essayer de faire plusieurs lives sur le jeu. Ça va permettre de bien découvrir le jeu. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. J'essaierai d'y répondre en live. J'essaierai de faire un live aussi où je joue contre les abonnés. Donc, voilà. Je vous dis ça, je vous ajouterai en ami, je jouerai contre vous, donc faites attention, vous avez intérêt d'être prêt. Hein. Alors, le capture de zone. Alors là, vous voyez par exemple, il y a des éléments en plus sur le terrain, c'est les petites mines. Les petites mines, si vous vous mettez dessus, ça explose, ça fait très très mal. Alors attendez, on va essayer directement d'envoyer un phénix. Là, vous voyez, si je rentre dans la zone, je peux capturer la zone et je peux mettre un point. Hop, on va essayer de faire... On va essayer de commencer par ça. Ouais, bah, on va commencer par ça. On va commencer par ça, on rentre directement dans cette zone-là. Ok, ça me va, ça me va. Donc là, on met un point tous les deux. Si on est tous les deux dans une zone, bah, à ce moment-là, bah, personne ne la tag. Donc là, on va essayer de le regarder. On va essayer de repousser sa réponse. On va la repousser dans des mines. Et comme ça, ça va nous permettre d'éviter qu'il tag la zone. Hop là, regardez-moi ça. Là, normalement, ça va faire boum. Les mines, elles vont faire boum. Allez, bim. Voilà, comme ça, moi, je tag un deuxième point. Lui, il ne tag pas ce point. Et donc, du coup, là, je prends de l'avance. Je prends de l'avance là sur ce match, ça va être intéressant. Qu'est-ce que je fais là? De toute façon, mon phénix, il peut pas bouger. Ça m'arrange. De toute façon, je comptais pas le bouger de la zone. Donc, je vais être obligé de bouger lui. Je vais essayer de le ravancer un petit peu par là. Parce que malheureusement, là, si j'avance là, je me prends toutes les mines et je vais exploser bêtement. Donc, je vais juste me mettre là pour pouvoir après essayer de retaguer une zone. J'avoue que les zones avec des mines devant, c'est un petit peu compliqué. Mais là, regardez, je me mets plutôt pas mal parce que mon phénix, il reste dedans. Je suis le seul à avoir pris une zone, donc du coup, on a déjà 3 points. On a pris une bonne avance. On va essayer, hop là, regardez, de se mettre ici, d'envoyer les deux adversaires. Oh, si j'arrive à envoyer les deux adversaires sur les mines, ça va faire un massacre, les amis. Ok, on s'est bump, mais c'est pas grave. Boum, ok, on fait des dégâts. Oh, par contre, il va quand même taguer la zone d'en dessous. Bon, il a plus beaucoup de points de vie, par contre. Hein. Il a plus beaucoup de points de vie. On est à la fin du quatrième tour, donc du coup... M'appeler, elle va envoyer une pluie de météores et finalement il va même pas réussir à taguer la zone. On est très très bien. On est très très bien. Oh, hey, calme-toi mon ami, calme-toi. Bon, en tout cas, moi je suis à 4 points. Lui il est à 1 point pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, je peux bouger personne moi. Je peux bouger personne. Je pense que je vais essayer de me barrer par là parce que je pense qu'il va essayer de me tuer mon phénix. Donc je vais juste me bouger tranquillement par là. Comme ça, je vais essayer de taguer cette zone là. Ok, vous voyez, ouais, je me doutais, il allait prendre la zone du dessous, il allait essayer de buter mon phénix, mais non, je suis passé au-dessus. Oh, oh, oh. Les amis, je pense qu'on va gagner cette troisième game. Franchement, c'est assez sympa parce que les modes sont très différents. Alors, en fonction des modes, vous n'allez pas forcément jouer les mêmes héros, forcément, hein, parce que bah, pour contrôler de la zone, bah, vous avez besoin de héros qui ont beaucoup de points de vie pour qu'ils puissent rester assez longtemps dans les zones pendant que vous marquez des points, etc. Donc du coup, le gameplay varie vachement en fonction des différents modes et ça, c'est plutôt cool. Oh là, on a massacré notre adversaire. 7 points contre 2 points seulement. On a bien tagué les zones. Franchement, voilà un petit peu pour ce jeu. Bum Super Brawl, vous pouvez le télécharger avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. D'ailleurs, vous allez pouvoir utiliser le lien 2 fois. La première fois que vous allez cliquer dessus, en fait, ça va vous amener pour télécharger le jeu. Et la deuxième fois que vous allez cliquer dessus, si vous avez téléchargé déjà le jeu, en fait, ça va vous permettre de récupérer, en plus de ça, une récompense pour bien commencer. Faut savoir que c'est une version qui est définitive, là, pour l'instant, sur
Android. Donc ça va vous allez garder votre progression quand la sortie sera mondiale. Par contre, sur iOS, vous allez pouvoir télécharger une version de test. Malheureusement, il n'y a pas encore de sortie sur iOS pour le moment. Et donc, du coup, à la sortie mondiale, votre progression, elle sera supprimée sur iOS. Mais par contre, sur Android, lâchez-vous, faites-vous plaisir, progressez. Ça va rester jusqu'à la fin de la vie de votre compte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Des bisous à tous. Bye bye.